Nous sommes ici dans la zone de Zinviri, où les populations vivent un calvaire. Il s'agit des fosses creusées à ciel ouvert qui constituent un grand danger pour les habitants de la localité et même pour leurs enfants. Dans notre zone, il y a des gens qui ont creusé les WC à ciel ouvert un peu partout. Et nous avons des enfants qui s'amusent. Et la fois dernière, juste à côté de ma maison, il y a quelqu'un qui a creusé, il a laissé à ciel ouvert. Les fosses septiques sont en effet des solutions à l'assainissement pour recueillir les eaux usées, souvent utilisées dans les maisons d'habitation. Une situation bien compliquée pour les parents avec des enfants en bas âge et en vacances. Quartier Tchéméo, docker avec mon quartier. Filet caro fine, vacances ou venu me cade. Et quand si vous filez, vous me voyez finalement. Ni amaro ama imede bono no kati yo me bo tun lo fie lo ti yan ali trele die bona lo ye to meje an gbon bo ene ti yan mi na a je di doji ekuyan o don yen ro nu we do we a so ku je bi o we nde ni ye e ma do azo na wa we ro ti yan eni kenkle bo wa sun to le boni mi me yin fina lo kati me bo do yo po bu pe bi nu vi fini fini ene le ro fini din e na se gbo a ko na su po don an ro fi ho we tegbe tegbe ro do utu o. Un calvaire que vivent les populations et qui cause des accidents. C'est là où j'ai appelé quelques autochtones de la zone qui sont passés sur les différentes parcelles où nous avons ces cas-là et ils ont enregistré. Mais depuis là, on n'a rien vu. Et paraît-il que la fois dernière, juste derrière moi, il y a un monsieur qui était en train de construire, sa femme et ses enfants voulaient rendre visite au chantier. Il y a un enfant qui est tombé dans le trou. Donc on ne sait jamais quand est-ce que le fou viendra au marché. Si ceux qui ont construit peuvent venir, même s'ils ne sont pas encore prêts pour construire, qu'ils viennent d'aller ces trous-là pour nous mettre en sécurité. Nous, on dort là, on se couche là, nos enfants sont là. Donc nous appelons au secours qu'ils viennent et nous sauver. Une réaction prompte des autorités publiques est attendue pour mettre fin à cette délicate situation.